Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'attraper des fretins. Alors pour réaliser ce défi, je vous conseille d'aller au lac des Canoës qui se trouve juste à côté en bas de Dirty Docks, donc juste ici sur la carte. Donc rendez-vous à cet emplacement et là ce que vous allez devoir faire c'est trouver une canne à pêche. Donc dans les tonneaux de pêche, il y a toujours des cannes à pêche qui s'y cachent. Donc il y avait un tonneau de pêche juste ici, il y a un autre tonneau de pêche juste là, il y a un tonneau juste ici, un tonneau juste là et il y a deux tonneaux juste là-bas. Donc si vraiment vous ne trouvez pas de canne à pêche, c'est pas possible. Il y a même des tonneaux de pêche dans cette maison-là, ici. Donc il y a vraiment énormément de cannes à pêche disponibles dans cet emplacement. Alors quand vous avez une canne à pêche, ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est surtout de ne pas pêcher dans des coins de pêche comme ceci. Parce que si vous pêchez dans ces coins de pêche, vous aurez de grandes chances d'obtenir un poisson. Donc ce que vous devez faire pour obtenir un fretin, c'est un poisson qui s'obtient uniquement hors des coins de pêche. Donc hors des coins où il y a des poissons, il faut vraiment pêcher dans une zone où il n'y a pas de coin de pêche. Donc n'importe où, comme je suis en train de le faire là, donc n'importe où sur la map où il y a de l'eau et où il n'y a pas de coin de pêche. Et là vous pêchez plusieurs fois jusqu'à temps d'obtenir un fretin. Alors il y a plusieurs sortes de fretins, mais voilà, dès que vous obtenez un fretin comme celui-ci, voilà, ça c'est un fretin, dès que vous l'obtenez, vous réaliserez la première partie du défi parce qu'en fait il faut attraper trois fretins. Donc vous allez devoir pêcher plusieurs fois jusqu'à temps d'obtenir trois fretins pour réaliser le défi. Donc là c'est mon deuxième fretin, il ne m'en manque plus que un. Et voilà, j'ai eu mes trois fretins. Regardez, ils sont tous les trois là. Hop, et comme ça, ben, j'aurai terminé le défi. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec. Et ciao. Peace.